Salut les Happy Few, ici Kid Charlemagne, Alexandre, pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe quelle vidéo, hein, une vidéo qui me tenait à cœur et puis que je promets depuis très longtemps. Et la voilà enfin, ça y est, on y est, this is it, la vidéo sur les éditions des classiques. Quelle édition choisir pour lire un classique de la littérature? Vous êtes de plus en plus curieux de lire des classiques. Vous entrez dans une librairie et vous vous sentez intimidé par déjà tous ces ouvrages, tous ces grands noms, tous ces titres, mais aussi et surtout complètement désemparé par le nombre d'éditions différentes pour un même ouvrage. C'est un petit peu la spécificité avec les classiques. En fait, pour la littérature contemporaine, la chose est assez simple, puisque les textes ne sont pas dans le domaine public, hein, ce qu'on appelle le domaine public. C'est-à-dire que les textes sont encore soumis à des droits. Ils appartiennent à un éditeur qui a signé un contrat avec l'auteur, et donc il n'y a que cet éditeur-là qui a le droit d'éditer le texte. Du coup, forcément, de facto, il n'y a qu'une édition, puisqu'il n'y a qu'un éditeur. Et donc, bah, ça simplifie les choses. Généralement, en fait, le livre sort d'abord dans un grand format, voilà, à peu près à 15-20 euros, pendant quelques temps, voilà. Et puis, bah, ensuite, il est converti en poche par l'éditeur. Mais en fait, c'est le même éditeur. Il n'y a pas 40 000 éditions d'un ouvrage récent. Il y a son édition d'origine et il y a son édition de poche. Avec les classiques, cela se complique, parce que les classiques sont des textes libres de droit. Voilà, au bout voilà, d'un certain temps, eh bien, le texte entre dans le domaine public. Il appartient, entre guillemets, à tout le monde. Hein, c'est une des beautés de la chose. Hein, on estime qu'il s'est passé assez de temps, le texte a été rentabilisé, l'auteur est mort. Et donc, bah, maintenant, ce texte, il appartient à tout le monde. C'est du patrimoine. Et donc, bah, l'implication, c'est que un éditeur peut très bien l'éditer comme il veut. Il n'y a pas d'exclusivité. Et bah, donc forcément, là, ça devient la jungle, puisque il y a plusieurs éditeurs qui se spécialisent dans les classiques, et bah, voilà, chacun veut son édition de ce classique, propose la sienne, sa version, avec toutes les nuances possibles, avec des notes différentes, avec une couverture différente, avec un format à papier différent, etc., etc. Bref, on entre dans toutes sortes de nuances. Et c'est donc là que certains peuvent se sentir un petit peu perdus et se demander à qui donner la priorité, quelle est la meilleure édition, est-ce qu'il y en a une qui est objectivement mieux, est-ce que je fais une erreur en prenant celle-ci et pas celle-ci, quelle est la plus adaptée selon mes besoins, moi j'ai les classiques, j'ai pas trop l'habitude, j'aurais besoin qu'on m'aide un petit peu quelle édition je dois prendre, alors moi j'aime pas les notes, ça me démotive, alors à quelle édition je dois prendre, ah moi je suis sensible au matériel, au papier, etc., à la prise en main, il y a plein de critères à prendre en compte, on va voir ça ensemble, vous allez voir. Et normalement, ça devrait être aiguillé à votre choix. Alors, on aurait pu aller en librairie directement pour cette vidéo. D'ailleurs, je l'avais envisagé. Je m'étais même arrangé avec la librairie où je vais souvent, la librairie Durance à Nantes, où je fais mes achats depuis que déjà je suis en études. Hein, c'est la grande librairie universitaire de Nantes. Mais c'est aussi là que j'ai gardé mes habitudes pour acheter mes livres parce qu'ils ont un choix de classiques énorme, hyper exhaustif. Voilà, j'aurais pu aller sur place. Bon, le contexte s'en est mêlé. C'est peu compatible avec le contexte du Covid et du Corona. D'autant plus que là, de toute façon, la librairie est complètement fermée. Donc, bah, écoutez, on oublie pour cet aspect-là. De toute façon, on est bien ici, on est tranquille, on va être un petit peu à l'aise sans s'embêter par les clients, la foule, les gens. On va prendre notre temps, donc c'est presque aussi bien. Une vidéo donc très concrète, là, on va vraiment être dans le matériel. Hein. Quelle édition choisir pour lire un classique littéraire? Alors, les gens qui ont l'habitude d'acheter des classiques maintenant depuis longtemps, qui aiment bien cela, etc. Normalement, ont leurs petites habitudes et savent déjà bien, ont pris un peu leur marque, parce que bon, on a vite fait le tour, entre guillemets, on a vite compris comment ça marche. Mais bon, là, je m'adresse à ceux éventuellement qui voudraient s'y mettre, qui se sentent un petit peu intimidés, voire découragés dans les librairies en voyant en fait jusqu'à 4-5 éditions différentes d'une même œuvre, voilà, qui ne savent pas trop par où commencer, à quelle édition donner sa préférence, quels critères mettre le plus en avant. Voilà, eh bien écoutez, là, on va voir ça ensemble. Je vais vous donner un petit peu mes petits conseils à propos de ça, vous donner un peu quelques explications pour pouvoir vous repérer là-dedans. Vous allez voir, en fait, c'est assez simple. Et après, bah, du coup, ce sera en votre âme et conscience, libre de votre choix, selon les critères qui vous touchent le plus. Parce que de toute façon, je vous le dis tout de suite, le message de cette vidéo, globalement, ça va être, ça dépend déjà. Ça dépend de l'œuvre, de l'édition précisément. Donc c'est du cas par cas. Il y a peu de règles absolues à faire, même si je vais dégager quelques idées globales. Alors, il y a beaucoup d'éditeurs en France. La France, c'est un pays qui est, il y a un gros marché d'édition, de librairies, etc., un des principaux au monde. Mais heureusement, comme ici, c'est classique, on va vite avoir fait le tour, vous inquiétez pas. Et en plus des noms, vous vous êtes très familier. Donc, typiquement, il y a trois leaders du marché d'édition des classiques en France et qui viennent des principaux éditeurs eux-mêmes. Gallimard, Hachette, Flammarion. Donc, ces noms-là, normalement, vous les connaissez, ils nous sont assez familiers, surtout Gallimard, hein, c'est vraiment l'éditeur français par excellence, et justement, c'est principalement lui dont il va s'agir, parce que c'est clairement celui qui a le plus gros catalogue et la plus grande diversité. Hachette et Flammarion, ce sont des éditions qui sont très connotées enseignement.
Voilà, Hachette Flammarion, c'est des groupes comme ça qui sont clairement très sollicités pour le domaine de la pédagogie, de l'enseignement, pour les manuels scolaires, pour les éditions scolaires. Donc c'est vrai que d'où, on va dire, leur association aux classiques, il faut le dire, hein, sont souvent lus dans le cadre de l'école, de la scolarité. Donc ces éditeurs-là, ils ont ce qu'on appelle des collections. Ils éditent toutes sortes de choses. Et ces choses-là, évidemment, on peut avoir entre elles. Ça peut être des essais, ça peut être des romans. Ils ont en fait des départements séparés pour plein de choses différentes, ils éditent. Et donc, ils ont une collection pour des classiques. La fameuse collection Gallimard pour les classiques, c'est Folio. Et il y a beaucoup de sous-collections de Folio, on va voir ça. Hachette, c'est livre de poche. Et Flammarion, ce sera ce qu'on appelle les GF, Garnier Flammarion. En plus de Garnier Flammarion, ça va vous dire quelque chose, Librio. Les fameux petits Librio, là, à 2 euros, là, on y revient dans un instant, quand je vous montrerai les livres. Et les J'ai lu. En fait, Librio, c'est une version cheap et une espèce de dérivé un peu bon marché de J'ai lu. Hein, vous devez connaître les J'ai lu aussi. Folio de Gallimard, il y a plein de sous-collections. Il y a les folios tout court, déjà, qui sont en fait des ouvrages qui ne sont pas encore des classiques, pas encore libres de droit, hein, des folios. Il y a folio classique, il y a folio SF, folio science-fiction, folio essai, les folios juniors qu'on est plusieurs à connaître de par notre enfance. Les folios juniors, il y a bon d'autres collections après, voilà, les tels, etc. Enfin voilà. Mais en gros, là, folio, folio classique, folio SF, folio essai, folio junior. Donc nous, on va principalement s'intéresser aux folios classiques et éventuellement aux folios essais qui peuvent regrouper des grands classiques, des essais, typiquement le mythe de Sisyphe de Camus, le Qu'est-ce que la littérature de Sartre, l'existentialisme et l'humanisme de Sartre, bref, toutes sortes de textes comme ça, bien, sont dans folio essais. Ce sont des classiques de l'essai, mais ils sont dans folio essais, non pas dans folio classique. Voilà, bah, en fait, vous avez ça. Vous avez en gros les trois principaux éditeurs auxquels vous allez avoir affaire pour acheter un classique, pour lire un classique. Le choix va essentiellement se concentrer là. Après, bien sûr, vous avez Pocket, hein, on peut compter Pocket, qui parfois fait des choses sympas, j'en parlerai après, mais moi je me suis un petit peu réconcilié avec Pocket, maintenant c'est devenu vraiment pas mal Pocket, vraiment pas mal du tout, mieux qu'avant. Et puis il y a des choses un peu plus spécifiques après, il y a Rivage, Payot, tout ça, hop, il y a Point, hein, hop, la collection Point. Alors Point, c'est une collection, hein, c'est pas. Mince, Point, c'est une collection. Et là, sur l'instant, j'ai un doute si c'est Seuil. Non, c'est Plomb, pardon. Voilà, Plomb. Plomb, ils ont une collection qui s'appelle Point. Hein, voilà. Édition Plomb. Voilà, bon, il y a des, voilà, il y a d'autres éditeurs, mais clairement, ce sera plus des exceptions. De temps en temps, effectivement, il faudra aller fureter du côté d'autres éditions. Mais c'est ici que ça va se passer. Et donc, on se retrouve tout de suite pour un TP, travaux pratiques. On va directement aller regarder du côté des ouvrages eux-mêmes, des exemplaires eux-mêmes, et comparer ces différentes collections, ces différents éditeurs, voir à chacun leurs points forts et leurs points faibles. Et donc, ça nous aide à y voir clair, en fait, à déterminer un petit peu lequel se prête plus à nos besoins selon ce qu'on recherche. Allez, c'est parti! Alors, concrètement, voilà comment ça se présente, hein, par rapport à ce que je vous ai expliqué juste à l'instant. J'essaie justement, voilà, de séparer les livres selon leurs éditeurs et leurs collections. Donc, j'ai fait ici un coin Gallimard Folio. Hein, on va voir ça, les différentes collections Folio. J'ai fait ici un coin Livre de Poche. Et puis, ici, un coin Flammarion avec les Garnier Flammarion et les Librio. Auquel je faisais allusion à l'instant. Derrière, j'ai mis d'autres éditions qu'on verra après, des choses un peu plus particulières, un peu plus spécifiques, selon vraiment des besoins très particuliers dans tel ou tel domaine. Les éditeurs et les principales collections quand il s'agit de littérature classique. Voilà, vraiment Gallimard avec toutes ses collections folio diverses, Hachette avec livre de poche et Flammarion avec les éditions Garnier Flammarion. Caractéristique avec ce petit logo et voilà ce format-là, cette écriture-là, etc. On verra ça après. Et le Librio. Hein, les Librio à 2 euros, voilà, très prisé des professeurs parce que ça permet de faire acheter aux élèves des classiques à pas très cher et très facilement. Voilà, en gros, ça se divise vraiment en ces trois pôles principaux. Quand vous avez Flammarion, Gallimard et Hachette, donc quand vous avez les GF ou les Librio, les Folios,
et les livres de poche, vous avez déjà l'essentiel de là où ça va se passer. Il y a d'autres éditeurs, d'autres éditions, d'autres collections, mais tout de suite un peu plus marginales, un peu moins connues, puis un peu moins comment qualitatives. Donc vraiment, c'est principalement ici que ça va se jouer. C'est entre ces trois teams que vous allez en quelque sorte devoir délibérer, choisir votre camp, ce qui vous convient le mieux. C'est là que ça se passe. Le maître du marché, ne serait-ce que le nom, parce que c'est le nom qui parle au plus de monde, c'est Gallimard. Hein. Gallimard, voilà, c'est le nom de l'éditeur par excellence, l'éditeur à la française, Gallimard. Et Gallimard dispose d'un très important arsenal de collections que l'on voit ici décliné. Hein. Il y a en gros six collections principales, 5-6 collections principales, donc, qui s'appellent les folios, hein, voilà, les fameux folios. Vous voyez, folio classique. Folio classique ici. Les folios non classiques, vous voyez, un Bel du Seigneur, comme il n'est pas encore entré dans le domaine public, est encore un folio tout court. Donc les folios tout court, les folios classiques, folio théâtre, voilà. Ici même, avec Goethe et Musset, Faust. Folio junior, alors ça, bon, l'édition commence à dater, oui, parce que je suis vieux. Vous voyez, là, on a du Roald Dahl. Roald Dahl, c'est du classique, hein, c'est du classique de la littérature de jeunesse. Et voilà, Charlie la chocolaterie, James et la grosse pêche et Mathilda en folio junior. Ça, c'est des livres qu'on a connus pour beaucoup quand on était jeune. Les folios SF, hein, j'en ai quelques-uns. Moi, je ne dis pas de SF, mais enfin bon, par les Utopiales, j'en ai récupéré certains. Voilà, donc H2G2, hein, le fameux livre de Douglas Adams. Ça, c'est du folio SF, hein, caractéristique avec cette couleur un peu violette métallisée. Et puis, les folios essais. Hein. Voilà, où on retrouve évidemment pas mal de textes philosophiques et puis voilà, des essais de littérature, etc. Voilà, donc folio SF, folio SF, folio SF, essai SF, folio junior, folio théâtre, folio classique, folio tout court. Ça, c'est l'arsenal de Gallimard, vous voyez, qui est quand même très important, surtout qu'ils ont plus un catalogue très vaste, très exhaustif. Donc, clairement, Gallimard, ça se place là. Hein, on va quand même dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Maintenant, il y a différentes raisons de ne pas toujours préférer Gallimard. On va les voir ensuite, mais Gallimard, c'est le top. Alors, sur un plan purement esthétique, déjà, bon, vous constatez qu'on est un petit peu dans les clous hein, d'une édition classique, c'est-à-dire qu'on a une peinture généralement comme ça, voilà, une peinture d'époque, quelque chose d'assez sobre en guise d'illustration. Alors, il peut y avoir parfois des choses assez inesthétiques, par exemple, je déteste quand ils mettent le prix comme ça. 2,50 € c'est d'un vulgaire, d'un trivial. Oui, ok, ils sont tout contents de montrer que c'est pas cher, c'est très bien, on est content. Mais voilà, je trouve ça assez disgracieux de mettre un prix comme ça, un vulgaire prix sur une couverture. Voilà, donc ça j'aime pas trop. Heureusement, c'est pas toujours le cas. Hein, vous voyez, sur Belle du Seigneur, il n'y a pas de souci. En même temps, il n'y a pas de quoi se vanter du prix parce que pour le coup, c'est un peu plus cher. Belle du Seigneur, vu l'épaisseur du livre, vous comprenez bien. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que les éditions sont également retapées, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une petite modernisation de l'aspect. Alors vous voyez, ça arrive par exemple sur les folios essais. Folio essais, c'était encore ça il y a quelques années. Vous voyez, très sobre, hein, écriture de l'auteur en noir, écriture du titre en noir, bon, voilà. Hein. Et vous voyez, maintenant c'est ça. Alors, j'ai pas le mis décisif dans cette nouvelle édition, mais en gros, vous voyez, on a Albert Camus écrit comme ça en noir, mais on a le titre en rouge, on a la bannière folio essai et on a une illustration un peu plus large, etc. Donc vraiment, là, typiquement, les nouvelles versions sont quand même beaucoup plus jolies. Et vous voyez, même sur la tranche, hein, dans la bibliothèque, ça rend quand même beaucoup mieux parce qu'on a le titre en rouge. Voilà. Le logo a été un petit peu changé, tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y a son règlement retapé. Pareil pour Belle du Seigneur, pour le coup, pour le comparer. Belle du Seigneur, ça, c'est l'édition que j'ai achetée seulement en 2005-2006. Hein. C'était relativement récent, entre guillemets, hein, façon de parler. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que c'était pas si joli que ça parce que, bon, le titre et l'auteur sont tous les deux en noir, etc. Voilà. Bon, elle a pris un petit coup de vieux, cette édition-là. Et vous voyez, regardez, maintenant, c'est l'édition qu'on trouve aujourd'hui. Beaucoup plus jolie. Avec le titre de l'auteur dans une couleur, hein, ils font ça pour tous les auteurs, il y a une couleur différente, et puis voilà, l'illustration est un peu redimensionnée, tout ça. Regardez même dans la bibliothèque, hein, ça fait un petit peu la différence, puisque le nom de l'auteur apparaît en couleur et tout, c'est beaucoup plus joli, bon en plus évidemment c'est un peu plus neuf, donc c'est blanc, etc. Mais voilà, typiquement, ils retapent un petit peu leurs éditions avec les années. Alors parfois c'est frustrant parce que quand on est un peu puriste, un peu perfectionniste, on a envie de les racheter dans la nouvelle version un peu plus jolie. On se dit ah la mienne elle a vieilli, c'est pas très beau, je vais la racheter. Donc ça pour les livres qu'on aime bien, ça peut être intéressant de les racheter exprès. Il faut vraiment être perfectionniste et être fan, mais bon pourquoi pas. Alors les points forts de Gallimard. Gallimard c'est la classe entre guillemets, façon de parler. D'ailleurs en parlant de classe, j'allais presque oublier de vous parler de l'ultime collection Gallimard que sont les Pléiades. Hein, les éditions
Pléiades, qui sont assez connues de nom et assez connues d'aspect. Hein. Voilà, les Pléiades, ce sont donc ces ouvrages-là. Voilà, donc là, typiquement, j'ai pris Stendhal, hein, au hasard, hein. Je vous jure que c'est au hasard. Hein. Voilà, les œuvres complètes de Stendhal, donc là, volume 1, volume 2, il manque le volume 3 que j'ai là-bas, établi par Yves Ancel, hein, que les gens qui regardent mes vidéos normalement connaissent de nom, voilà, qui a été reçu au Salon 111, et dont je parle souvent parce que c'est mon maître, hein, en fait. Hein. Il m'a fait soutenir mes mémoires de recherche. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et dont les travaux ont beaucoup compté pour moi et que je considère comme un ami. Voilà, donc Yves Ancel qui a établi les éditions de Stendhal, forcément, parce qu'il est spécialiste avec donc d'autres collaborateurs. Voilà, donc la Pléiade, typiquement, en effet, ça, c'est les éditions collector de la littérature classique. Hein. Voilà, quand un auteur est très très important, eh bien, très important, eh bien voilà, le prestige, c'est qu'il est édité en Pléiade. Sur papier de Bible, hein, ce qu'on appelle le papier de Bible, hein, le papier missel, parce que c'était le papier sur lequel on imprimait la Bible à l'époque, avec le petit marque-page en tissu en verre, donc un papier extrêmement fin pour des textes forcément très très longs, très très denses, parce qu'en gros on met des œuvres intégrales dans un seul volume, avec un très important appareil critique, donc beaucoup de notes, d'érudition, etc. Voilà, le petit protège-couverture, et donc de l'or. C'est relié en cuir et avec de l'or. Hein. Donc c'est pour ça aussi que c'est cher, parce que en gros, une édition Pléiade, hein, c'est entre 45 et 60 euros. Il hein, faut compter ça. Donc voilà, entre 45 et 60 euros le volume, parce que ben, c'est relié en cuir, en véritable cuir, en or ici. Voilà, hein, c'est incrusté d'or. Et puis, ben, bien sûr, le papier, l'appareil critique, le prestige, la marque. Voilà, donc NRF, hein, typiquement, Nouvelle Revue Française, eh bien, c'est la pâte Gallimard, ça. Alors, la Pléiade, c'est vraiment pour la classe. C'est-à-dire que il y a deux intérêts à avoir à des Pléiades. Soit vous êtes méga fan de l'auteur et du coup, vraiment, vous voulez la version collector, vous voulez vraiment marquer le coup, vous dire j'ai cet auteur-là en Pléiade, j'ai Baudelaire en Pléiade, j'ai Stendhal en Pléiade, etc. Parce que vous voulez marquer le coup et avoir un bel objet qui symbolise votre fanitude en quelque sorte. Soit vous êtes intéressé par l'appareil critique qu'il y a dedans. Ce qu'on appelle l'appareil critique, c'est toutes les notes, les notices, les préfaces, les postfaces, etc. faites par les spécialistes, parce que c'est vrai que souvent les Pléiades, elles sont très blindées de ce côté-là. On fait appel aux meilleurs pour les faire, et du coup, il y a vraiment beaucoup d'informations très précieuses, il y a des brouillons, des variantes. Enfin, c'est vraiment pour les puristes, les gros gros fans ou les spécialistes. Voilà, c'est les deux intérêts. Parce que sur un plan de confort, c'est clairement pas terrible, on va pas se mentir. Une Pléiade, c'est pas extrêmement confortable à lire. C'est confortable parce que vous pouvez emmener l'œuvre intégrale d'un écrivain au lieu de ramener une pile de livres comme ça, énorme, très dur, très lourd à transporter et puis très encombrant. Vous avez ça et vous avez en gros jusqu'à 5-6 romans dans le même livre. Donc on va dire qu'il y a un côté confort sur le plan espace. Mais en revanche, le confort de lecture est moyen. Hein. Les pages sont extrêmement fines, elles ne sentent pas très bon. Ça compte, on va parler de l'odeur hein, dans cette vidéo. Hein. L'odeur des livres est très importante, ça va jouer hein, dans votre confort de lecture. Donc ça sent pas très bon, le papier est très très fin, trop fin. C'est un peu rigide, c'est un peu lourd, c'est écrit très très petit. Donc clairement, en termes de confort de lecture, les Pléiades ne sont pas conseillées. Ce n'est pas des livres de confort, ce sont des livres de luxe, des livres de prestige et des livres aussi comment, érudits. Hein. Ce sont des éditions érudites et prestigieuses. Ce sont de très beaux objets. C'est des très beaux cadeaux à faire ou à se faire. Mais c'est pas là que ça va se passer en termes de lecture, on va dire, quotidienne. Alors, comme Gallimard, on ne les arrête pas. Ils sont de tous les fronts. Je vous dis, c'est vraiment eux qui mènent le marché. Ils ont même une autre collection que j'ai oublié de vous présenter, qui est collection NRF Poésie Gallimard. Voilà, vous avez peut-être vu souvent ces ouvrages-là. Il y a un rayon généralement consacré à eux. Alors là, j'ai pris Pétrarque, hein, le Canzoniere. J'en ai un ou deux autres, mais comme je lis pas beaucoup de poésie dans cette collection. J'en ai assez peu d'exemplaires, mais voilà, typiquement là, voilà le Canzoniere de Pétrarque. Eh bien, voilà, c'est typiquement une édition de NRF Poésie. C'est correct, alors c'est les qualités qu'on aime chez Gallimard, c'est-à-dire que c'est un papier de bonne qualité, ça sent assez bon, et voilà, le boulot est fait. Maintenant, on va voir un petit peu, c'est vraiment les caractéristiques d'une édition Gallimard. Voilà, donc il y en a qui sont très très fans, je sais qu'il y en a qui font la collection comme ça, de Poésie Gallimard NRF. Alors, les éditions Gallimard. Elles vont avoir, alors je parle surtout pour les classiques, hein, globalement des points communs. Les éditions Gallimard, elles ont l'exhaustivité du catalogue. C'est sûr que vous avez vu, ils touchent à plein de domaines, ils ont plein de trucs. Clairement, il y a peu de choses qu'on ne trouve pas chez Gallimard. Il y en a qu'on ne trouve pas chez Gallimard. Mais déjà, vous allez chez Folio, vous êtes quasiment sûr de trouver en théâtre, en essai, en science-fiction, en poésie, en junior, en classique, en non-classique, vous êtes quasiment sûr de trouver
Voilà, enfin classique surtout, voilà ce qu'il vous faut. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi en Gallimard, alors moi pour moi, c'est un des points forts, ce que j'ai longtemps aimé. Moi, pendant longtemps, je n'ai acheté mes classiques qu'en folio classique. Moi, quand j'ai commencé à lire des classiques à 15 ans, comme on avait dû acheter le rouge et le noir en fait en folio classique, je me suis directement attaché à cette édition-là et je prenais tout en folio classique. Et la raison était aussi bien de confort que d'esthétique. J'aimais beaucoup l'esthétique des Gallimard, des folios classiques, mais aussi leur confort. Regardez, en fait, le papier dans les folios classiques est très agréable et vraiment de bonne qualité. On sent que c'est un papier qui a une certaine épaisseur. Alors, ça dépend encore une fois des éditions, tout ça. Il y a des variantes entre les éditions. La police d'écriture est agréable. Et regardez, le papier, si vous constatez, il est blanc crème en fait. Alors, ça, c'est bête, mais ça joue. Regardez, ici, vous avez des Garnier Flammarion. On viendra au Garnier Flammarion après, mais regardez ça. Regardez comment le papier est ultra bright blanc. Là, c'est vraiment Colgate, quoi. Hein. On a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est fait un détartrage ou blanchiment des dents un peu trop fort et il vous sourit et vous faites limite aveugler. Le côté très 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 blanc marqué des Garnier Flammarion peut poser un problème de confort de lecture parce que c'est presque too much. Et en fait, c'est très agréable dans les folios classiques puisqu'on a un papier un peu comme ça blanc crème et cependant avec une bonne épaisseur, assez doux au toucher. Enfin, vraiment, c'est assez agréable. Et en fait, ça, c'est un des points forts des folios classiques et pas des moindres. C'est confortable à lire dans l'ensemble. Niveau confort, j'ai envie de dire que Folio Classique marque de très gros points et que c'est un excellent argument pour se tourner vers eux. Il y a deux points où ça pêche un petit peu au niveau des Folio Classiques. Si on quitte le choix, si on quitte le confort et la qualité de papier, la durabilité, le confort, l'odeur, etc. Ça va déjà être le prix. Alors contrairement à ce dont ils se vantent ici, justement ils se vantent parce que c'est pas si souvent folio classique est bon marché. Donc là ils sont très fiers de dire qu'il n'est qu'à 2,50 €, mais les folios classiques vont avoir tendance à être plus chers que les autres éditions. Vous allez me dire du coup c'est logique. Il y a un bon papier, ça sent bon, la police d'écriture est agréable, c'est confortable, c'est Gallimard. Donc après tout, pourquoi pas? C'est vrai, hein, mais vraiment c'est un bon argument. Mais voilà. Ça peut vraiment être plus cher que les autres éditions. Je parle parfois du simple au double. Parfois, ça peut être deux fois plus cher. Alors, on reste dans des prix de livres, ça va. Mais c'est vrai que un classique qui peut coûter 3-4 € chez l'un, ça peut parfois grimper jusqu'à 6, 7, 8 € à folio classique. Ça dépend, selon. On reste dans des prix convenables, bien sûr, très, très raisonnables de livres classiques, mais c'est un petit peu plus cher. Et là, pour le coup, ce qui justifie un petit peu moins ce prix un peu plus élevé, c'est que les folios classiques, ce qui pêche, c'est l'appareil critique. Encore une fois, donc c'est tout ce qui concerne les annotations, les notices, les introductions, etc., etc. En fait, tout le travail autour du livre pour aider à l'appréhender. Sur les classiques, ça peut compter parce que on est face à des textes parfois qui sont très vieux et qui, ce n'est pas une question d'être spécialiste ou pas. Même les spécialistes en ont besoin parce qu'on n'est pas spécialiste de tout, on ne peut pas tout connaître sur tout. Et même quand on connaît, eh bien, voilà, on n'est jamais à 100% de connaissances. Et donc, c'est tout à fait normal, lecteur amateur ou alors lecteur un peu plus spécialisé, c'est tout à fait normal de pouvoir s'appuyer sur des notes si on est curieux, si on veut savoir comment ça s'est passé, l'écriture de ce livre-là, pourquoi il arrive dans cet état-là, pourquoi telle page a été retenue et pas une autre, à quelle époque ça a été écrit, quel contexte, biographie de l'auteur, éléments de commentaire, etc. Donc, vraiment, des choses comme ça qui sont vraiment. C'est pas de l'élucubration, hein, c'est pas de la branlette de littéraire, là, on parle vraiment de choses factuelles scientifiques. On parle d'édition scientifique, là. Comment des scientifiques de la littérature, oui, parce que ça se dit en quelque sorte, hein, c'est une science, avec des faits, avec des données à manipuler et à transmettre pour bien appréhender l'œuvre rigoureusement, bah, c'est vrai que du coup, folio classique, là, ça pêche. Folio classique, leurs introductions sont parmi les pires qu'on puisse imaginer. Elles sont complètement fumeuses, verbeuses. Ils sont dans un délire qui n'est pas du tout scientifique, rigoureux. Ils prennent quelqu'un qui va se branler la nouille pendant 15 pages sur l'œuvre, sans vous apprendre des choses vraiment concrètes, factuelles. Quelle date, quel contexte historique, quel élément, etc. Et tout. Non, non, on est vraiment dans la réflexion fumeuse de littéraire. Alors, ça peut plaire, ça a un certain charme, mais clairement, c'est pas comme ça que vous allez avoir des outils pour appréhender l'œuvre si vous avez besoin de trois éléments pour mieux comprendre les choses, des petits éléments de vocabulaire, tout ça et tout. Voilà, vraiment, leurs dossiers critiques sont minimalistes déjà. Il y a peu de choses, déjà c'est minimaliste en soi. Mais le peu qu'il y a, c'est assez à côté de la plaque. Ça ne va pas vous aider. Et donc, je ne recommande pas du tout sur cet aspect-là. Donc, Folio Classique, en plus, ça ajoute au côté un petit peu élite du coup de ces éditions-là. Parce qu'il y a un beau papier, c'est Gallimard, ça sent bon.
c'est joli, etc. C'est un petit peu plus cher, mais aussi du coup, ça sous-entend quasiment que c'est pour les gens qui s'y connaissent assez bien, qui n'ont presque pas besoin vraiment en fait d'un dossier critique, puisqu'ils connaissent assez. Donc ils peuvent se passer d'éléments un petit peu trop pédagogiques, un petit peu trop détaillés sur l'œuvre. Voilà, ils peuvent se contenter d'y aller comme ça, tout chousse, sans réel appareil critique, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de notes, hein. Il n'y a pas de notes de bas de page. Alors ça c'est agréable, parce que du coup ça dégage vraiment le texte. Les notes sont rapportées à la fin quand il y en a, mais il y a peu de notes. Vraiment, on voit que la ligne éditoriale, c'est de dire aux gens, bon, vous mettez des notes quand vraiment c'est nécessaire, mais vous en mettez le minimum possible et vous les mettez à la fin. Donc il y a une espèce en fait d'épuration du texte. Encore une fois, c'est très agréable. En termes de confort, on s'y retrouve. Avec un papier de cette qualité-là, de cette couleur-là, de cette odeur-là, et en plus des pages bien dégagées, sans annotation, etc. Franchement, c'est vraiment agréable, hein. C'est pour ça que moi, je reste très très fan des folios classiques. Et je vous le dis, dès que j'aime vraiment un livre, soit je l'ai acheté directement en folio classique, soit je le rachète en folio classique après pour pouvoir le relire dans ces conditions-là. Vraiment, moi j'aime beaucoup. C'est comme un bon fauteuil bien confortable, élégant. Voilà, j'aime beaucoup ça. Alors, ils ont leur casserole, hein, folio classique, puisque là, ils sont rentrés dans le droit chemin, ils ont fait en vous des belles éditions, des beaux titres, etc. Voilà, des auteurs bien mis en avant, et puis des couvertures tout à fait raisonnables, hein, qui sont depuis longtemps, des tableaux d'époque, hein, on est dans la tonalité. Mais je tenais quand même à attirer votre attention sur ce que ça a pu être à une époque. À une époque, ils se sont barrés en couille, ils ont voulu se jouer un délire art contemporain, et ça, c'est typiquement la couverture du Père Goriot. Voilà. Ça, c'est le Père Goriot dans les années 2005. Alors, voilà, j'ai supposé peut-être que l'éditeur avait été attendri par un dessin fait par son enfant. C'était dit, oh là là, regarde papa, c'est le Père Goriot. Oh, c'est mignon, mon chéri. Ah, je vais en faire la couverture de mon prochaine édition du Père Goriot dans ma collection, parce que là, vraiment, c'est trop mignon. Et non, 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 malheureusement, quand on retourne le livre, on voit que c'est un artiste très sérieux du Centre Pompidou, hein, exposé au Centre Pompidou à Paris, hein, donc art contemporain, qui a produit cette œuvre censée nous évoquer. Le Père Goriot, hein, je pense que le dessin parle de lui-même, hein. Donc voilà pour les folios classiques, les points forts, les points faibles. Ça nous mène directement en fait à leur concurrent principal, que sont en fait les livres de poche. Alors, livres de poche, pour le coup, c'est Hachette, hein. Donc on n'est plus chez Gallimard, on est chez Hachette, un peu le principal rival en termes d'édition classique. Alors, le catalogue chez Livres de poche est très vaste, très exhaustif aussi, mais un peu moins peut-être que chez Gallimard Folio, et surtout un peu moins segmenté. Il y a un peu moins de différenciation. Vous avez vu à côté que c'est très séparé, théâtre, essai, junior, poésie, bref, c'est très bien organisé. Là, c'est un peu moins évident au premier coup d'œil, mais il y a quand même. Alors, du coup, il n'y a pas vraiment de sous-collection. Il y a juste en fait voilà, des thématiques qui se dégagent. En gros, globalement, livre de poche, c'est livre de poche, avec les classiques que ça implique. Hein, voilà. Livre de poche, bien sûr, c'est pas que des classiques, hein, mais voilà, en gros. Il y a classique livre de poche. Il y a lettres gothiques. Et donc ça, en fait, ça va être les textes du Moyen Âge. Et c'est un des points forts de livre de poche. Si vous cherchez des textes du Moyen Âge, c'est à livre de poche que ça va se passer. Parce que eux, c'est eux qui gèrent, qui se sont spécialisés en fait avec la collection Lettres gothiques, dirigée par Michel Zinc. Eh bien, c'est eux qui sont spécialisés dans les textes du Moyen Âge. C'est là que vous allez trouver les textes du Moyen Âge qui sont édités nulle part ailleurs, ou alors dans des éditions hyper chères, hyper onéreuses. Là, vous allez vraiment avoir des textes, vous voyez, le livre du cœur d'amour épris de René d'Anjou, je suis persuadé que la plupart d'entre vous n'ont pas entendu parler, le livre du Voir-dit de Guillaume de Machaut, tout ça, ce sont des classiques de l'amour courtois. Bon, le plus connu, c'est le roman de la Rose, hein, vraiment, de tout temps, de toute façon, le roman de la Rose de Guillaume de Lorris et de Jean de Main. Et bien, tout ça, c'est édité en livre de poche et en bilingue. Donc, vous avez le texte ancien français à gauche et le texte français moderne à droite. Donc, en plus, c'est des éditions très érudites. C'est fait par des spécialistes. C'est bilingue, vous avez vraiment le texte d'origine qui est là, donc c'est émouvant. Et vous avez plein de notes, etc. Et surtout, c'est les seuls à les éditer de façon aussi économique, parce que ça coûte pas très cher. Pour 8-9 euros, c'est plus cher que d'autres classiques, parce qu'il y a un gros travail de traduction, d'établissement du texte, hein, ce qu'on appelle l'établissement. Mais vous avez vraiment, voilà, pour une dizaine d'euros grand max, des grands classiques de la littérature du Moyen-Âge, rendez-vous compte. Des textes très anciens, très compliqués à établir. Et très important dans la culture occidentale, l'amour courtois, etc. Eh bien, ils sont accessibles grâce à la collection Lettres gothiques de livres de poche. Donc ça, c'est un de leurs points forts. Vous voyez, en plus, certains classiques sont édités avec en plus des gravures du Moyen Âge à l'intérieur. Hein, voilà. Donc vraiment, c'est très très joli, très très sympa. Et donc de toute façon, c'est incontournable. Vous voulez lire du Moyen Âge, vous allez devoir sans doute passer par Lettres gothiques, livres de poche.
Donc ça, c'est une espèce comme ça de monopole qu'ils ont de spécialisation. Maintenant, donc, il y a les autres classiques, hein, donc du Maupassant, du Zola, du Stendhal. Hein, vous trouverez évidemment tous les grands classiques, voilà, donc, comme ça, tout simplement, hein, dans les éditions livres de poche, on ne peut plus ordinaire. Vous avez une collection qui a fait assez parler d'elle quand on a célébré, je crois que c'était le centenaire de Jules Verne. Eh bien, ces livres de poche avaient édité comme ça les classiques de Jules Verne, dans des très belles éditions, hein, qui reprenaient un petit peu le design des éditions d'époque. Voilà. Et donc vous avez comme ça toute la collection de Jules Verne. Alors moi je les ai tous, hein, je les avais récupérés aux Utopiales. Et vous voyez, ça donne, c'est assez joli du coup dans la bibliothèque parce que ça ressort. Ils sont dans un rouge assez caractéristique qu'on ne retrouve pour aucune autre œuvre. Et vous avez comme ça donc les gravures d'époque en couverture. Et puis ben, un texte voilà, avec des illustrations à l'intérieur. Hein. Ils ont gardé des illustrations d'époque à l'intérieur, tout ça. Une poésie d'écriture agréable et tout. Donc ils ont fait un joli coup ici sur Jules Verne. Vous voyez, hein, pareil, si vous cherchez du Jules Verne. Clairement, hein, vaut mieux se tourner vers livre de poche. Hein. De toute façon, je crois que Folio Classique, je crois que j'ai pas vu de Jules Verne là-bas. Mais voilà, de toute façon, c'est voilà, c'est Hachette qui gère ça. Et vous avez maintenant la philo. Hein. Hachette se met doucement à la philo. En livre de poche se met à la philosophie. Hein. Vous voyez, hein, les classiques de la philosophie, livre de poche. Ah oui, il y a Nietzsche. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Hein. Moi, j'ai choisi de lire Nietzsche dans les livres de poche parce que je trouvais le papier confortable, je trouvais l'écriture confortable. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais passer un bon moment à lire ça dans cette édition-là. Voilà, ça m'évitera une autre édition un peu moins confortable. Et voilà, ici ils sont mis à la philosophie, vous voyez, avec en plus des couleurs caractéristiques, hein, ils sont vraiment essayé de se démarquer visuellement, on les repère tout de suite, les livres de poche philosophie. Ils sont, voilà, ils sont agréables à lire, ils sont assez confortables, mais bon, la philosophie, c'est pas là que ça se passe, hein, et c'est là qu'on va se tourner vers, avant que je revienne livre de poche, mais c'est là qu'on va se tourner vers Gagny Flammarion par la suite, vous verrez que Gagny Flammarion. C'est là que ça se passe pour la philo. Et vous voyez, on commence à voir se dégager les spécialités des différentes éditions. Et en fait, où il faut aller selon nos besoins. Hein. Parce qu'il va aussi s'agir des besoins. Là, on va trouver les meilleures éditions, compromis, qualité-prix, qualité de l'appareil critique, qualité d'écriture, etc., etc. Alors, livre de poche. Moi, pendant longtemps, je n'ai pas aimé livre de poche. J'ai boudé ces éditions-là. Un peu de façon snob, je ne le cache pas, parce que j'aimais pas le logo, j'aimais pas l'aspect des livres, je les trouvais un peu cheap. J'aimais pas voilà, ce que ça renvoyait. Moi, c'est vrai que moi, j'étais dans le folio classique, je trouvais ça élégant, je trouvais ça joli, confortable, etc. Gallimard, tout ça, j'aimais bien. Donc, très longtemps, j'ai boudé livre de poche, je n'aimais pas le papier, je n'aimais pas l'aspect, je n'aimais pas la façon dont c'était fait, etc. J'ai fini par changer d'avis et c'est grâce à mes professeurs d'université qui l'ont cru, hein, comme quoi j'étais plus top que mes profs d'université eux-mêmes qui avaient des raisons de l'être quelque part, mais non. Et en fait, parce que en fait, quand j'ai établi quand j'ai fait mes mémoires de recherche, moi j'avais mes œuvres en fait en folio classique. Et mes professeurs m'avaient dit, alors par contre, pour votre mémoire, on vous conseille vraiment de passer plutôt par l'édition livre de poche parce que l'appareil critique est beaucoup mieux. Vous allez voir, il y a beaucoup, les annotations sont excellentes. Il y a eu un très bon travail voilà, de dossier critique dans le livre. Donc pour vous-même, ça va vous aider, ça va être beaucoup plus agréable, vous allez apprendre plein de choses. Tout ça, c'est très pédagogique, très bien fait, et vraiment l'édition est excellente, c'est la meilleure. Donc c'était le cas pour l'édition de L'éducation sentimentale. Moi, pour L'éducation sentimentale, qui est un roman que j'adore, j'avais cette vieille édition en plus. C'est la vieille, hein, c'est pas les nouvelles comme ça avec l'auteur dans cette couleur-là, etc. Hein, c'est vraiment les vieux folios classiques. Donc j'avais ça, c'est comme ça que je l'avais lu la première fois. Et bah, du coup, en fait, on m'a demandé plutôt de me procurer cette version-là. Voilà, L'éducation sentimentale de Flaubert dans Livre de poche. Et donc, effectivement, j'ai pu voir la différence, puisque excellentes annotations, il y a des notes, alors, elles sont dans les pages elles-mêmes, ça peut gêner certains. Hein. Dans Livre de poche, c'est une des caractéristiques, les notes sont sur la page elle-même. Certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, j'aime bien. J'avoue, parce que c'est vrai que c'est très chiant quand vous lisez, vous avez la flemme et du coup vous lisez pas les notes de dire oh, attends, faut que j'aille à la fin. Alors note 55, alinéa, machin, c'est très chiant. Donc là, ce qui est bien, c'est que la note vous intéresse, vous la lisez, elle vous intéresse pas, vous la lisez pas, mais au moins elle est sur la page. Alors il y en a plein qui me disent ouais, mais moi je suis distrait quand il y a une note sur la page, j'ai un côté maniaque, j'ai envie de la lire alors qu'à la base j'aurais peut-être pas lu, alors moi ça me déconcentre et puis ça prend de la place sur la page et puis c'est chiant, etc. Bon, il y a différentes écoles, là c'est sûr qu'en tout cas dans le livre de poche vous aurez les notes à même la page. Et non pas reporté à la fin du livre. Et en plus, il y aura beaucoup de notes. Il peut y avoir jusqu'à 10 notes sur une page de livre de poche. Je ne vais pas vous faire peur, hein. Mais sur certains livres, en effet, il peut y en avoir beaucoup. Hein, ça peut vraiment être assez spectaculaire. Donc, vous voyez là, typiquement, regardez sur cette page-là. Ça, c'est le texte. Ça, c'est les notes. Alors, ce n'est pas tout le temps, hein. C'est rare, hein. La plupart du temps, les pages, regardez, elles sont normales, hein. Là, c'est une page normale. Mais voilà, quelquefois, ça peut être assez conséquent. Donc, c'est un style. Moi, il se trouve que j'aime beaucoup.
et que ça m'a en partie réconcilié avec les livres de poche, en fait, complètement même. Moi, en fait, je suis mis du coup à acheter la plupart de mes classiques en livre de poche. J'ai un peu fait des infidélités à Folio Classique. Maintenant, Folio Classique, j'achète un livre en Folio Classique quand vraiment je suis fan, quand vraiment je l'adore. Et voilà, du coup, c'est un peu mon collector en quelque sorte. Et puis quand le méga collector, après, on passe en Pléiade. Mais maintenant, spontanément, je me dirige plutôt vers l'édition livre de poche. Parce qu'il y a un très bon dossier critique, donc là je sais que j'aurai toutes les informations que je peux avoir de façon très agréable et simplifiée, parce que c'est très pédagogique. Vous voyez, je ne sais pas si c'est le fait qu'Hachette, ça a souvent été associé en fait aux professeurs. Hachette, hein, ils font aussi des manuels d'enseignement, etc. Et c'est vrai qu'Hachette a une connotation un petit peu professorale, qui peut-être peut faire sa connotation négative face aux lecteurs les plus snobs en disant « Ah ouais, bah, c'est des éditions de professeurs, c'est des éditions d'école, pour les élèves en fait, hein, voilà, pour les apprenants. » Moi, je n'apprends pas, moi, je connais, etc. Donc, on peut peut-être avoir un peu ce préjugé-là. Mais n'empêche que la qualité y est, parce que du coup, on a des très beaux dossiers critiques, c'est des très grands spécialistes qui font les éditions, et c'est très agréable. Alors, livre de poche, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on descend un petit peu en qualité de papier et d'édition. C'est pas méchant, mais on fait une différence. Le carton de la couverture est un petit peu plus fin, un peu plus cheap, c'est pas flagrant a priori, mais on voit que c'est le cas. Le papier est un peu plus cheap, on sent que c'est un papier un peu plus économique. Alors du coup, il garde ce côté un peu blanc crème qui est très agréable, ça c'est bien, c'est pas un blanc bright comme GF, mais il garde ce côté blanc crème, mais on sent qu'il est un peu moins qualitatif. Parfois d'ailleurs, l'impression peut être un peu plus grasse, hein, les caractères, l'encre, ça peut être un peu plus gras. C'est pas toujours le cas, heureusement, là oui, ça va très très bien. Mais il y a certaines éditions, il faut faire attention, on dit oulala, c'est imprimé un peu que le cul, ça, c'est un peu gras, c'est pas très agréable, c'est un peu moche. Donc voilà, il y a un côté clairement un peu plus économique dans ces livres-là. Hein. On sent que c'est un peu plus cheap, c'est pas méchant. Quand une fois, regardez, il est très convenable hein, ce livre. Hein. En plus, là, il commence à avoir quelques années. Ce livre-là, il a 10 ans. Hein, bon, voilà. Donc, et puis, je l'ai pas mal lu hein, parce que j'ai fait mon mémoire dessus. Donc, vous voyez, il a survécu, il va bien. Hein. Il tombe pas en lambeaux, ça va. Mais bon, c'est un peu plus cheap. C'est un peu plus cheap. Le papier sent un peu moins bon parfois. Ça reste très agréable, hein, ça reste délicieux, papier neuf, hein, mais en fait ils vont moins bien vieillir aussi. Le papier va plus jaunir avec un livre de poche, l'odeur va un peu plus se dégrader en quelque sorte. Voilà, ce sont des. Voilà, matériellement c'est un peu moins soigné, un peu moins joli, mais encore une fois, rien de catastrophique, rien de grave. Ça reste des beaux objets, voilà, et qui passent le temps, qui passent à travers le temps. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'au niveau du prix, on s'y retrouve parce que c'est en gros les éditions les moins chères du marché. Globalement, à toute édition comparée, la moins chère à chaque fois d'un classique, d'une même œuvre, ce sera le livre de poche. Le folio sera souvent le plus cher, en concurrence avec le Garnier Flammarion, qui parfois se débrouille très bien dans le genre cher. Donc vraiment. Là, on peut vraiment être dans des éditions qui vont être un peu plus onéreuses. Mais le livre de poche, c'est le plus économique financièrement. Donc, il y a un petit côté un peu plus cheap, mais pas bien méchant. Et en revanche, niveau du prix, il peut y avoir une vraie différence. Il y a beaucoup de livres classiques en livre de poche qui sont à moins de 6 euros, moins de 5 euros. Pour grimper dans les 7, 8, 9, c'est vraiment parce que le livre est très épais. Ou alors, vous voyez qu'on est dans la littérature spécialisée comme le Moyen-Âge et qui demande en fait voilà, un gros dossier critique. Mais. Dans l'ensemble, vraiment, les livres de poche, on s'y retrouve niveau prix. Et donc, ça a aussi, entre guillemets, enfin, entre autres, participé au fait que j'aime bien ces éditions-là, parce que, mine de rien, ben, le prix, ça compte. Hein. Et encore une fois, quand vous ne savez pas si vous allez aimer le livre, vous le prenez en livre de poche, vous savez que vous allez avoir un très bon dossier critique, que bon, l'objet va être agréable, convenable, le papier est souple, c'est très confortable, c'est très très souple, c'est très facile à emporter. Le papier, voilà, ça sent bon, tout ça quand même. Voilà, vraiment, vous allez gagner à peu près sur tous les plans. Et c'est un peu, moi, en gros, mon avis global sur le livre de poche. Meilleur compromis qualité-prix. Et du coup, là, je vous spoil directement mon avis. Pour moi, l'édition que je recommande par défaut, c'est livre de poche. Par défaut, je dis bien. Tout doit être analysé au cas par cas. Il se peut qu'au cas par cas, ah ben non, ce livre de poche-là, il sent pas bon. Ah non, ce livre de poche-là, moi, le dossier critique, moi, je m'en fous pour cette œuvre-là. Ouais, bah, ce livre de poche-là, non, j'aime trop cet ouvrage-là, moi, j'en ai une plus belle édition. C'est le meilleur compromis. Voilà, meilleur compromis qualité-prix. Pour le prix que vous mettez, vous allez vraiment en avoir pour votre argent. Et avoir des bonnes conditions de lecture, de confort matériel et de confort intellectuel par rapport à ce que ça fournit. Donc, livres de poche maintenant, moi, ils m'ont conquis. Je suis vraiment acquis à leur cause. Je suis devenu en fait un fanboy de livres de poche. Et vous voyez, ça se ressent même dans les statistiques de ma bibliothèque parce que bon, là, j'ai pas mis à jour depuis un certain temps. J'ai beaucoup de nouveaux livres à enregistrer que j'ai pas encore scannés dans mon application. Mais vous voyez, quand je vais dans mon application, ma bibliothèque,
Eh bien, on voit très bien que Gallimard, donc Folio en gros, j'en ai en gros une bonne cinquantaine, soixantaine. Non, attendez, 55 Gallimard et il sépare Gallimard et Folio et 30 Folio. Donc on va dire 80 et quelques Gallimard Folio. Et que j'ai en livre de poche 44 plus 30. Vous voyez, donc en fait c'est égalité. J'ai 70-80 ouvrages de chacun. Ce n'était pas le cas avant. Avant, j'avais un vrai déséquilibre. Avant, j'avais que des folios classiques quasiment. J'avais très peu de livres de poche. Et bien maintenant, j'ai vraiment une importante quantité de livres de poche. Et en fait, ils sont à égalité. En gros, j'ai moite-moite quasiment de livres de poche et de Gallimard. Et parfois, des mêmes ouvrages hein, dans les deux éditions. Mais vous voyez, l'écart se resserre. Et je pense même qu'il pourrait s'inverser. Je pense qu'il ne serait pas étonnant qu'au fur et à mesure, j'ai plus de livres de poche que de folios classiques que je réserverais pour les livres que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais avoir une autre édition un peu plus solide, un peu plus, comment on va dire, un peu plus élégante en quelque sorte, épurée. Mais voilà. Et on en vient enfin au troisième et dernier grand Manitou des éditions de classiques, Flammarion, édition Flammarion, avec les éditions Garnier Flammarion et une édition qu'on n'associe pas forcément à Flammarion quand on ne connaît pas, mais qui sont les Librio, hein, que beaucoup connaissent. Garnier Flammarion, c'est les éditions que j'ai toujours le plus détestées depuis longtemps, pour différentes raisons. Déjà pendant longtemps, je détestais leurs illustrations. Ils ont beaucoup progressé en la matière. Maintenant, ils font des belles illustrations. Mais pendant longtemps, les illustrations étaient vraiment hideuses. Donc déjà, c'était pas engageant. Et aussi, ce qui frappait avec les éditions Garnier Flammarion, et c'est toujours le cas, c'est la lourdeur des livres. Alors là, il est très épais, bien sûr, c'est l'Émile de Rousseau. Mais pour un même ouvrage, c'est des livres plus lourds et très rigides. Alors là, ça pose un vrai sérieux problème de confort de lecture, parce que la rigidité pour un livre dans la lecture, c'est l'ennemi. Quand on lit un livre, on a envie d'avoir cette souplesse, ce confort. Vous voyez, on l'ouvre facilement, ça glisse entre les mains, etc. C'est doux. Là, c'est tout le contraire. C'est rigide, c'est rêche. Je l'ai dit tout à l'heure, le papier est trop blanc. Le papier est d'une blancheur Bright Colgate dentifrice. Et en fait, ça pose un problème de confort de lecture parce qu'en fait, les yeux, c'est comme un écran trop brillant, vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand vous faites enfin, vous êtes sur un ordinateur, si votre écran est trop brillant, trop lumineux, vous allez vous péter les yeux. Mais parfois, vous baissez un petit peu la luminosité pour un peu équilibrer et c'est un peu plus doux. C'est un peu pareil. Et en fait, un Garnier Flammarion, c'est vraiment très bright. Le papier est rigide, vous voyez, c'est pas facile à tourner. Il s'abîme du coup parce qu'en fait, comme de toute façon, en fait, on s'est piqué le livre. Si on l'ouvre un petit peu trop, ça l'éventre un petit peu, les pages peuvent se barrer. Enfin, vraiment. C'est pas terrible matériellement, c'est vraiment des livres qui sont pas agréables et confortables, vraiment. En plus, regardez, c'est hideux, la tranche, derrière la tranche, ça compte. Il y a toujours cette écriture ariale caractéristique qui fait très bizarre parce qu'elle n'a aucune élégance. Regardez, comparez un peu les tranches des autres ouvrages. On va mettre Belle du Seigneur et puis Éducation sentimentale. Regardez ça. Hop. Vous avez donc. L'éducation sentimentale, Flaubert, bon, voilà, une écriture un peu genre Times New Roman, un petit peu classique, hein, pour les écritures un peu élégantes classiques. Vous avez donc ici l'écriture, donc voilà, de folio classique. Mais regardez ça, cette Arial avec ce roux, vraiment, c'est hideux, vraiment, enfin, vraiment, les derniers Flammarion, ils reviennent de loin. Hein. À la base, c'était pas mes copains. Alors, là, je pourrais quasiment parler au nom aussi d'Emeric du Salon 111, pour ceux qui connaissent le Salon 111, où nous faisons bah, nos séances de discussion, de conversation. On a vécu la même expérience tous les deux avec le Garnier Flammarion, puisqu'il est revenu dans nos bonnes grâces, de force en fait, hein, c'est juste par les faits. Il s'avère que Garnier Flammarion est un éditeur incontournable et juste excellent concernant la philosophie. Alors, vous pouvez trouver d'autres classiques dans le Garnier Flammarion, en fait, ils éditent l'essentiel des classiques, hein, donc vous trouverez plein d'auteurs, ils ont un catalogue assez large. Alors, bien sûr. Alors bien sûr, Garnier Flammarion, vous trouverez beaucoup de classiques de la littérature, en fait, vraiment un catalogue très très large dans leur collection. Mais clairement, là où ils se démarquent, c'est dans la philosophie. Vraiment, déjà, vous trouverez tout Rousseau. Alors bien sûr, l'œuvre philosophique de Rousseau, mais aussi son œuvre littéraire, hein, les Confessions, les Rêveries, etc. Donc déjà, ils sont très très bons au niveau de Rousseau. Si vous cherchez du Rousseau, c'est clairement AGF qu'il faut aller. Parce que, faut quand même bien le dire, c'est le meilleur établissement du texte possible. Ils ont vraiment fait des éditions de fou avec des magnifiques dossiers. Ils sont très 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 forts niveau dossier chez Flammarion. Ils font des dossiers de malades hyper bien faits, des super notes. Bref, niveau édition critique, c'est ce qu'on fait de mieux. Donc évidemment, dès que vous êtes du côté voilà, de la philo, que vous êtes dans une exigence comme ça d'avoir un truc bien fait,
propre, bien conçu, intelligent, bien documenté, c'est par là qu'il faut aller. Et voyez un petit peu l'ironie, c'est quand même malheureux parce que ce sont les éditions les plus inconfortables qui soient. Elles sont lourdes, elles sont rigides, le papier est trop blanc, elles sont chères en plus, hein, c'est parmi les plus chères, voilà, elles sont pas toujours données, il y en a des moins chères que d'autres, hein, ça va. Regardez, la 3,90 € pour le contrat social, c'est très honnête, il n'y a pas de souci, c'est pas toujours très cher, mais bon, voilà, c'est quand même pas de bol que les éditions les plus intéressantes intellectuellement, littérairement, sur un plan de documentation, sur un plan d'établissement de texte, eh bien, soient précisément celles qui sont les plus désagréables à lire, alors que justement les plus confortables, eh bien, soient celles qui sont les plus pauvres sur le plan critique et sur le plan de l'établissement d'un texte, de l'édition, où on a juste vraiment le texte comme ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est des besoins très différents. Mais bon. Donc de la philosophie, bien sûr. Donc déjà, voilà, Platon. Je sais que voilà, les auteurs vraiment qui se démarquent dans Le Dernier Flammarion, c'est Platon et Rousseau. Vous avez vraiment les éditions des œuvres de Platon et de Rousseau. Là, vous êtes tranquille. Vous avez tout qui a été édité et tout édité dans les règles de l'art. Donc voilà, vous voulez lire du Platon, vous voulez lire du Rousseau, Garnier Flammarion, vous trouverez pas mieux. Et puis bah, bien sûr aussi, voilà encore une fois, hein, les autres œuvres littéraires. Si vous aimez bien Garnier Flammarion, si vous aimez bien ce papier-là, si vous aimez bien leur dossier, bien sûr, eh bien franchement, il n'y a pas de raison de se priver, vous trouverez beaucoup, beaucoup de classiques littéraires dans leurs éditions. Donc voilà, hein, peut-être un petit peu moins de choix que chez Folio. Et chez Livre de Poche, il me semble, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, donc faut pas hésiter. Entre autres, d'ailleurs, hein, une édition qui a fait beaucoup parler à l'époque, hein, qui était sortie vers 2007, je crois, ou un petit peu avant, c'est La Divine Comédie de Dante, traduite par Jacqueline Risset. Alors, la traduction de Jacqueline Risset, on est fan ou on n'est pas fan, moi, c'est pas ce que je préfère, mais faut admettre que c'était super joli. Vous voyez, ils avaient sorti ce coffret-là, La Divine Comédie de Dante, en coffret. Et voilà, il y avait donc les trois Garnier Flammarion qui étaient dedans, en bilingue, hein, donc italien, français. Purgatoire, paradis, enfer, voilà. Donc voilà, hein, le paradis qui est là, vous voyez, donc le texte italien à gauche et le texte français à droite, et avec des très bons dossiers, beaucoup de notes, hein, là aussi une documentation incroyable. Donc, excellent, vraiment, Garnier Flammarion nous a sorti des perles, hein, vraiment des choses absolument incroyables, hein, dont ce très joli coffret Divine Comédie de Dante, et en plus avait ressorti la Divine Comédie sous une forme plus classique, hein, juste un volume comme ça. Alors du coup sans le texte italien pour des raisons de place, hein, parce qu'avec le texte italien ça aurait été trop épais, mais avec juste le texte français, si vraiment vous ne voulez pas vous embêter avec l'italien et aller un petit peu à l'essentiel, ben moi j'ai lu dans cette édition-là, hein, pour des questions de confort. Comme ça j'avais, vu que je lis pas l'italien, j'avais juste le texte italien au cas où à côté, mais je l'ai lu comme ça, la Divine Comédie est très agréable, vous voyez, hein, là du coup c'est que du français, c'est l'œuvre intégrale, c'est les trois volumes, vous voyez c'est quand même moins lourd, hein, c'est les trois volumes réunis en un. Voilà, donc vraiment c'est une édition à prendre très au sérieux, Garnier Flammarion, c'est très très bon. C'est comme pour Livre de Poche, je l'ai longtemps boudé, et puis j'étais obligé de me rendre à l'évidence, c'est de la très bonne qualité d'édition, c'est des très belles éditions, et du coup ça ne vaut pas le coup de s'en priver pour cette raison-là. Et voilà, c'est une option à considérer. Voilà. Et donc, vous voyez, ils font un peu comment les deux opposés, puisqu'on a d'un côté les œuvres, les ouvrages hyper documentés, avec des purs dossiers critiques, etc., le truc hyper poussé. Et on a l'extrême inverse, que sont les Librio. Alors, les Librio, normalement, vous les connaissez, parce qu'on les a tous connus à l'école. Ce sont donc ces éditions-là, très économiques, hein, c'est bon qu'on puisse dire, assez grandes, hein, vous voyez, c'est assez grand au niveau du format. Hop. Et généralement pas très épais, parce que le principe du Librio, c'est que ce soit des ouvrages assez brefs, assez courts. Hein, ils font rien de plus. Je crois que le plus épais du Librio que j'ai, c'est Cyrano de Bergerac, la pièce Cyrano de Bergerac, hein, qui est assez épaisse. Hein, c'est un des Librio les plus épais que j'ai vu. Elle fait un peu exception. Parce que généralement, un Librio, c'est fin. Ça fait à peu près cette épaisseur-là. Ça fait à peu près moins d'une centaine de pages. Hein, je crois que le critère, hein, c'est en gros que ça fasse moins d'une centaine de pages. Alors, les Librio, voilà, on les connaît puisque déjà, en fait, on les voit assez dans le commerce. Et puis, généralement, dans notre scolarité, on les a rencontrés. Puisque les professeurs, ils ont toujours la tâche délicate de dire aux élèves, bah écoutez, demandez à vos parents, il va falloir acheter tel livre dans telle édition, tout ça. Ça coûte de l'argent et parfois, les parents font la gueule pour acheter les livres ou les élèves, ils ont la flemme, etc. Donc, le fait d'acheter les livres, c'est parfois un peu compliqué. Et donc, les profs adorent ces éditions-là parce qu'elles sont économiques. C'est 2 euros, les Librio. C'est un prix universel, c'est tout le temps 2 euros. Exception parfois 3 euros. Mais un Librio, c'est 2 euros. Vous voyez, c'est marqué sur même Cyrano, qui est pourtant très épais, 2 euros. Donc là, c'est imbattable niveau prix.
Vous avez 2 euros, c'est clair, net, précis, et vous avez des œuvres très importantes, des grandes œuvres classiques qui sont éditées, puisqu'on y trouve des nouvelles, des recueils de poèmes, des pièces de théâtre et des essais philosophiques. Vraiment tout ce qui est un petit peu court, qui peut passer en cours. Hop, Librio s'en occupe, un Flammarion. Encore une fois, même groupe que Garnier, hein, Garnier Flammarion, forcément, que cette collection-là. Et voilà, et donc, ouais, typiquement, là, vous voyez, moi, j'ai quasiment, enfin, pas tout Molière, hein, mais j'ai beaucoup de Molière, comme ça, en Librio. Alors, voilà, donc le malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme, le misanthrope, le Tartuffe, Don Juan, les femmes savantes et les précieuses ridicules. Voilà, et comme ça, vous voyez, vous avez, regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc voilà, on a 7 pièces de Molière pour 14 euros. Voilà, 2 euros le volume, et on a quand même tout un théâtre. Alors, je suis pas très fan de Molière, mais c'est justement 2 euros, c'est l'argent que je suis prêt à mettre pour Molière, vous voyez. Donc, Librio, super. En plus, au passage, moi j'aime beaucoup parce que les pages sont grandes. Donc, il y a beaucoup de texte dans une page. C'est écrit assez gros, dans une écriture assez agréable. Et ça sent plutôt bon. Hein, ça sent bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, l'odeur est agréable. Et voilà, c'est très confortable. C'est très souple, c'est léger, etc. Donc, vraiment, Librio, c'est. Alors, ça fait un peu cheap, c'est sûr. Et encore, ils ont amélioré leur couverture parce que j'ai des Librio anciens. J'en ai pas ici. Hein, je les ai stockés ailleurs. Mais les Librio anciens étaient très moches, avec le contour comme ça en carré, là, Librio, 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 puis une illustration pourrie au milieu. Ils ont fait un gros effort, vous voyez, maintenant ils font des belles illustrations, regardez comme c'est joli, là, les éditions Philosophie, comme ça, ils ont vraiment fait un bel effort d'illustration. Donc en plus, je dirais qu'ils ont bien pimpé le truc, hein. Vraiment maintenant Librio, c'est un peu plus de gueule qu'à l'époque, parce qu'à l'époque c'était vraiment cheap, c'était vraiment moche, hein. Il fallait vraiment assumer la gueule du livre dans sa bibliothèque. Là maintenant en plus, ça se paie un petit peu d'élégance, hein. Dans le genre cheap, ils ont vraiment fait un effort pour que ça ait le plus de gueule possible. Donc voilà, c'est encore une raison de moins de s'en priver. Donc, vous allez me dire, bah attendez, le papier est agréable, c'est confortable, les couvertures sont plutôt jolies, ça coûte que 2 euros, bah, pourquoi pas tout acheter en Librio hein, dans ce cas? Alors effectivement, si vous n'êtes pas quelqu'un qui veut mettre de l'argent dans la littérature, dans les classiques, faut pas hésiter à vous tourner vers un Librio. Vous ne prenez pas un gros risque d'investissement et vous avez le texte. Les Librio ont un seul défaut. En dehors du manque d'exhaustivité de leur catalogue, parce qu'il faut encore une fois rappeler que c'est que des ouvrages courts. Donc évidemment, vous excluez tous les gros romans, vous ne trouverez pas l'éducation sentimentale, vous ne trouverez pas le Rouge et le Noir, vous ne trouverez pas la Divine Comédie ou je ne sais quoi dans les Librio. Les Librio, c'est vraiment des petits traités philosophiques, des nouvelles, du théâtre et de la poésie, des choses très courtes. Donc déjà, c'est limité. Mais bon, il y a déjà quand même des choses intéressantes dedans. Mais la principale raison pour laquelle Librio pose problème, c'est l'absence totale, mais totale, de dossiers critiques. Alors, ok, on peut ne pas être fan de ces critiques et dire bon, je m'en fous, tant mieux, j'aime pas les notes, j'aime pas tout ça, c'est vrai, d'accord, mais ça peut poser vraiment problème. Et c'est vrai qu'on peut même d'ailleurs se poser la question si c'est responsable de leur part d'éditer certains textes sans aucun dossier critique. Ok, c'est cool, on l'a pour 2 euros, c'est facile, trop bien, ah génial, je me prends Descartes, le discours de la méthode, trop bien, discours de la méthode pour 2 euros, mais c'est génial, et oui, d'accord, mais tu n'as aucune note avec le discours sur de la servitude volontaire de la Boétie. Ou le discours de la méthode de Descartes. Aucune note, aucune, tu es à poil. C'est ça qu'il faut se dire. Avec un Librio, vous allez être à poil. On vous sert le texte comme ça, aucune explication, aucune introduction, aucun dossier critique, aucune note. Rien ne viendra vous aider au niveau du vocabulaire, s'il y a un mot ancien, si le texte est un petit peu vieux. Rien ne viendra mettre du contexte, rien ne viendra faire la chronologie de l'auteur. Il n'y a rien de rien de rien. Forcément, vous en avez pour votre argent, ça coûte 2 euros. C'est vraiment le texte libre de droit, édité brut sur un papier relativement économique, et voilà, bon, ok, c'est sympa, c'est confortable, mais vous êtes à poil. Donc, ça peut poser problème sur des textes, encore une fois, pas toujours facile. Thomas More, l'Utopie, quand même, ils sont ambitieux. Là, je vais vous montrer une collection que j'aime bien, de Librio, que j'ai quasiment intégralement. C'est celle-ci, regardez, je l'ai quasiment intégralement, c'est très beau. Librio Philosophie. Voilà, Librio s'est lancé dans l'édition de philosophie. Et là, vous avez en fait leur collection complète de philosophie quasiment. Je crois qu'il me manque un ou deux. Le Manifeste du Parti communiste de Marx, il me manque. Et peut-être Madeleine Walden de Solow. Mais voilà. Vous voyez là, vous avez typiquement ici, je vais essayer de vous montrer l'intégrale. Là, vous avez réuni l'Apologie de Socrate de Platon, le Banquet de Platon, le Gorgias de Platon, Lettre à Ménécée d'Épicure, l'Art d'aimer d'Ovide, de la vie heureuse de Sénèque, les Pensées de Marc Aurèle, le Manuel d'Épictète. Donc là, vous voyez plein de philosophies antiques déjà, hein, les stoïciens, les platoniciens, tout ça. Du Contrat social de Rousseau. Il faut s'accrocher en plus au Contrat social de Rousseau, c'est une œuvre complexe, hein. Les notes ne sont pas du luxe. Hein. Discours sur l'origine et les inégalités, voilà, donc Rousseau à nouveau, Le Prince de Machiavel, L'Utopie de Thomas More, Le Discours de la servitude volontaire de la Boétie, Discours de la méthode de Descartes et Le Traité sur la tolérance de Voltaire.
Donc c'est quand même des grands textes, des textes importants, des textes classe. Vous voyez, c'est quand même une belle collection. Donc là, vous voyez, j'ai tout ça. Vous voyez, pour là, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pour 30 euros, vous avez ces piliers de la philosophie. Pour 30 euros, vous avez une quinzaine d'ouvrages de philosophie assez fondateurs. Donc c'est pas rien, c'est pas mal, franchement, qualité-prix, on se dit super. Mais attention, aucun dossier critique, vous êtes à poil, c'est le texte, point terminé. Aucune introduction, aucune mise en contexte, aucune note, aucune biographie, rien, de rien, de rien. Donc c'est un peu aride. Donc vous voyez, ça se veut accessible et économique, mais paradoxalement, ce n'est pas accessible, en fait, paradoxalement, c'est presque élitiste, puisque c'est pas cher, mais c'est presque des personnes qui peuvent se permettre de se passer de dossier critique qui vont plus pouvoir en profiter pleinement. Puisque bon, en effet, quand on est spécialiste, on se dit, bon, bah moi je connais un peu Voltaire, c'est bon, voilà, c'est bon, la biographie, je l'ai quelque part ailleurs, je connais. Je peux me permettre de me prendre le truc juste pour le kiff, comme ça, l'avoir facilement accessible. Mais quand vous n'avez que ça, ça peut vite être compliqué, puisque vous n'avez rien du tout. Donc, Librio, moi j'adore. Vous voyez, moi je trouve ça, je suis très content de les avoir comme ça, parce que je trouve ça facile, agréable, accessible. On peut les emmener facilement, le texte est facilement consultable. Moi j'aime bien Librio, franchement, il y a un petit charme, voilà, de l'accessible, de la simplicité. Et il y a un confort, franchement, il y a un confort. Moi j'adore lire le théâtre dans Librio, par exemple, moi Librio, c'est là que je préfère lire le théâtre. Donc le théâtre, en fait, là du coup, pareil, pas de notes, hein, rien, aucune note. Hein. Il y a du Shakespeare aussi, tout ça, il n'y a aucune note. Donc ça pose problème. Mais moi j'aime vraiment lire le théâtre en Librio. Les pages sont grandes, on a plein de dialogues dedans, on voit bien les dialogues, c'est très agréable pour la mise en page, voilà. Mais j'avoue que généralement, du coup, le fait que j'achète un Librio implique que j'achète une édition plus classique à côté pour avoir un dossier critique. Vous voyez, donc finalement, économiquement, c'est pas si intéressant que ça, parce que finalement, ça me fait même acheter un autre volume à côté. Voilà, donc c'est bien pour l'école, ok, parce que le prof va lui-même apporter le dossier critique, donc après tout, il se dit, pas besoin qu'il y en ait un à l'intérieur, c'est moi qui vais l'apporter par mon cours, et au moins, eux, ils ont donc pour 2 euros, même les élèves les plus défavorisés peuvent se l'acheter, et puis les plus démotivés, bon, 2 euros, allez, ils sentiront pas trop la douloureuse. Donc c'est très intéressant comme outil scolaire. C'est intéressant personnellement, moi j'aime bien pour mon confort. Mais voilà, si on veut en savoir plus, si on veut avoir plus de matière, faut pas hésiter à se tourner vers une autre édition en complément. Donc moi c'est pour ça que le Molière, j'ai aussi les pièces que je préfère dans d'autres éditions. Donc voilà pour ce premier tour d'horizon des éditions. Voilà, Gallimard Folio, Hachette Livre de Poche et Flammarion, Garnier Flammarion et Librio. Donc je vous ai dressé un petit peu un petit bilan global de leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, je maintiens que le meilleur rapport qualité-prix, je recommande le livre de poche. Qualité-prix, vous aurez une espèce de synthèse de tout ça. Vous avez ce qu'il faut en confort, vous avez ce qu'il faut en dossier critique, vous avez ce qu'il faut en aspect, etc. Vous avez une espèce comme ça de compromis de ce que proposent de mieux les autres éditions réunies en une. Donc, ce n'est pas parfait, mais vraiment, livre de poche, selon moi, c'est la meilleure porte d'entrée pour lire des classiques. C'est la meilleure édition. Pour appréhender ce genre, on peut parler de genre, hein, un classique n'est pas un genre. Maintenant, vous voulez une belle édition, un peu plus élégante, et épurer un petit peu, débarrasser un peu du côté dossier critique, Folio Classique, c'est l'idéal. Et vous voulez vraiment du béton au niveau dossier critique et tout, eh bien, Garnier Flammarion, le top. Voilà. Et pour les petites lectures confortables ici. Voilà. Alors, donc j'ai parlé ici donc des principales éditions. Il y a bien sûr d'autres groupes, d'autres éditions. Je ne vais pas toutes les faire exhaustivement parce que là vraiment on a le principal. Donc je vois pas, là, je vais pas faire la totale. On n'en finirait plus. Et puis après on est dans des choses un petit peu marginales. Mais on peut quand même mentionner les éditions Pocket. Alors moi Pocket que j'ai très longtemps détesté. Parmi les premières lectures que j'ai faites de classiques, j'ai eu le malheur de tomber sur des Pocket et j'en étais traumatisé pendant longtemps parce que c'était un papier encore très économique. C'était très rigide. Très économique, le papier jaunissait très rapidement comme celui-ci, ça puait, c'est le papier qui pue le plus Pocket, en tout cas pendant longtemps ça a été le cas. Vraiment, j'ai détesté Pocket, j'aimais pas l'aspect, ce logo minable là, Pocket qui fait tellement cheap, hein. J'ai détesté Pocket pendant longtemps. Je me suis réconcilié avec parce que Pocket, vous voyez, à l'image de ce que font les autres, s'améliorent, rendent leur, voilà, font vraiment un effort d'aspect, d'apparence, pour rendre les choses plus élégantes, plus agréables, et leur papier est de plus en plus souple, de plus en plus fin. Ils sont de mieux en mieux, enfin de meilleur en meilleur, comme diraient les inconnus, de meilleur en meilleur. Et parmi leurs plus beaux efforts, il y a cette édition des Misérables, qui est pour moi une des meilleures qui a été faite en édition intégrale. Alors oui, en plus avec l'image de la comédie musicale, hein, ça vient de la comédie musicale, le film.
Et ils ont fait une très très belle édition des Misérables en intégrale. C'est très rare de trouver les Misérables en intégrale parce que c'est très épais les Misérables. Hein. Donc généralement il est en deux volumes, c'est pas très pratique et tout. Folio Classique, j'aime pas trop leur édition des Misérables non plus. Et là en fait ils ont fait une très très belle édition. Enfin, Pocket, ils ont fait très très fort. Vraiment parce qu'ils ont pris l'image du film. Donc il y en a qui n'aiment pas les images de film, mais moi je trouve que ça fait stylé. Ça fait un petit côté un peu classe, un peu officiel. Et le papier est fin. Le papier sent super bon, comme un odeur de manuel scolaire. Vous voyez, ça rappelle des bons souvenirs. Moi, j'aime bien. Et c'est super agréable. Comment c'est souple, comment c'est. Niveau prise en main. Alors, sur un ouvrage de cette ampleur-là, je peux vous dire, ça fait la différence. Donc, moi, vraiment, je tenais à avoir cette édition-là. J'ai trouvé un des derniers exemplaires dans ma ville. Je l'ai cherché partout parce que je savais que ça avait été édité là, que je n'avais pas acheté à l'époque. Et j'ai eu du mal à trouver le dernier exemplaire, mais je l'ai. Et j'adore cette édition des Misérables de Pocket. Donc, Pocket a fait quand même des très belles choses. Mais après Pocket, ils n'ont pas un catalogue extraordinairement vaste. Enfin, ils ont pas mal de classiques, mais c'est pas là que ça se passe. Quand vous allez après dans les choses un peu plus spécialisées, par exemple, si vous aimez les lettres classiques, le latin, ce qu'on appelle les lettres classiques, hein, donc le grec et le latin, si vous cherchez des textes de l'Antiquité, hein, si vous voulez lire du Ovide ou de la philosophie stoïcienne, ou je sais pas, du Virgile et tout ça, vous avez des choses intéressantes. Bah, en gros, c'est les belles lettres que ça se passe. C'est ce qu'on appelle les belles lettres. Alors, belles lettres, ils sont spécialisés donc dans les lettres classiques, et voilà les différents types d'éditions qu'ils proposent. Alors, les plus connus, entre guillemets, en tout cas des gens qui font du latin en cours, etc., sur l'université, ce qu'on appelle les Budé, collection Guillaume Budé. Hein. Donc, édition humaniste par excellence. Alors, ça, c'est la grande classe, hein, c'est espèce de pléiade des lettres classiques. Alors, là, rouge, c'est la couleur caractéristique pour les lettres classiques latines avec la Louve, hein, la Louve de Rome. Et donc, là, vous voyez, vous avez Ovide, les Tristes. Typiquement, ça, c'est la classe. Alors, ça coûte cher, attention. C'est jusqu'à 30 euros le volume. C'est cher, c'est très très cher. Ce sont des éditions universitaires qui sont publiées en peu d'exemplaires, peu distribuées, et publiées, enfin, éditées très rigoureusement. Moi, j'avais des professeurs qui faisaient ces éditions-là. Et c'est vraiment de la dentelle, parce que c'est un gros gros travail d'établissement de texte, de traduction, de notes, de comparaison de manuscrits, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le caviar, hein, voilà, des lettres classiques. Les belles lettres là, ça porte bien leur nom, je peux vous le dire. Hein. Voilà. Donc vous avez le texte latin à gauche, le texte français à droite, hein, parce que normalement c'est bilingue, les variantes, les notes par rapport au manuscrit, etc. Donc voilà, donc ça, bon, ça coûte assez cher. Heureusement, heureusement, il n'y a pas Findus, mais il y a une alternative en fait de belles lettres qui est proposée, c'est les belles lettres poche. Et en fait, les textes parfois qui sont en Guillaume Budé, vous pouvez heureusement les trouver. Beaucoup plus économiquement, vous voyez, regarde là, c'est 7 euros, donc c'est le prix d'un livre de poche plus classique. Et vous avez là aussi le texte latin à gauche et le texte français à droite. Mais c'est pas le même prix tout de suite, hein, évidemment. Et vous avez, pour autant, vous voyez, la poésie d'Ovide, les amours, en bilingue. Et en plus, j'aime bien, alors, moi j'aime beaucoup leurs illustrations, je trouve ça super stylé, parce qu'ils mettent en fait des mosaïques latines, etc. J'aime bien les couleurs, tout ça. Moi j'aime bien ces éditions-là, en plus elles sont confortables, elles sont souples et tout. C'est très très agréable à manipuler. Donc, heureusement, ils proposent ça. Vu que c'était le centenaire des belles lettres dernièrement. Ils avaient en fait réédité pas mal d'ouvrages classiques, de lettres classiques cultes, dans des belles éditions, dont celle-ci de Marc Aurèle. Les Pensées de Marc Aurèle, hein, l'empereur philosophe, l'empereur stoïcien. Et voilà, vous voyez, il y avait des illustrations à l'intérieur en plus, tout ça. Alors pour le coup, c'est que du texte français, hein, donc là, effectivement, on perd le côté bilingue, hein, ça c'est un petit peu dommage. Mais en revanche, il y a un très bel effort de couverture, tout ça, c'est un bel objet. En plus, pas cher, hein, 10 euros, voilà, donc là aussi, on est dans des classiques de prix de poche. Et voilà, ils avaient fait comme ça l'effort de rééditer. Alors, il y avait aussi le Denaturarum de Lucrèce, il y avait le manuel d'Épictète et tout, voilà, les Métamorphoses d'Ovide, enfin, un ensemble de textes comme ça classiques. Et voilà, donc les belles lettres, c'est à envisager si vous êtes vraiment branché lettres classiques, si vous cherchez des choses vraiment de l'époque latine et grecque, parce qu'il y en a qui aiment bien, après tout, et moi j'adore, hein, donc là, c'est un atout. À noter que vous avez aussi Robert Laffont, qui a une collection qui s'appelle Bouquins. Et Robert Laffont, l'avantage en fait des bouquins, alors ils ont du Voltaire, là ils ont du Sénèque, ils ont Schopenhauer aussi. L'idée de bouquin en fait, c'est de réunir un maximum d'ouvrages, voire parfois l'œuvre intégrale de l'auteur, dans un volume. Donc c'est une espèce en fait de pléiade, hein, c'est un peu de la pléiade, bon, sans le côté cuir, or et tout, hein, j'avoue, hein, c'est un peu moins, l'objet est un peu moins joli. Mais niveau exhaustivité, on est pas mal. Là, il y a l'œuvre intégrale de Sénèque. Il y a les lettres à Lucilius, c'est la seule édition qui propose les lettres de Lucilius en intégrale. J'avais demandé à un professeur à l'époque, j'arrive pas à trouver les lettres à Lucilius en intégrale, il n'y a que les extraits, tout ça, où est-ce que je peux les trouver? Mais écoutez, vous allez voir, la collection bouquins de Robert Laffont a fait ça.
Et vous allez avoir, c'est la seule édition qui réunit toutes les lettres à Lucilius en intégrale, plus tous les traités de Sénèque, et vous avez l'œuvre intégrale de Sénèque. Alors, c'est pas bilingue, hein, il n'y a pas de latin, mais vous avez une introduction de Paul Venn, ils ont mis l'introduction de Paul Venn, qui est un ouvrage qui est très réputé, qui est excellent, qu'on trouve séparément. Donc, il y a une grande introduction, il y a un bon dossier critique, et vous avez l'œuvre intégrale. Donc, Bouquin fait ça pour Schopenhauer, ils ont été aussi les premiers à rééditer les Parerga et Paralipomena de Schopenhauer dans cette édition-là, donc pareil, une trouvaille. Alors, attention, c'est un petit peu cher, du coup, forcément. Là, ça coûte 28 euros, hein, donc c'est comme un Guillaume Budet, voilà, c'est un petit peu onéreux, mais il faut quand même le dire aussi qu'on a l'œuvre intégrale d'un auteur, hein, donc on ne fout pas de notre gueule, on a quand même pour notre argent. Ça vous coûterait bien plus que ça à les acheter séparément, hein, ce serait 5-7 euros le livre, il y a environ une dizaine de livres dedans, faites le calcul, ça vous coûterait 60-70 balles tout séparément. Là, pour 30 euros, un bon coup, vous avez, sur un papier très très fin forcément, hein, pour que tout réunir, vous avez l'intégrale des textes. Donc, la collection bouquins, gardez un œil dessus si vous cherchez l'intégrale en fait d'un auteur, comme ça, vous voulez être exhaustif. C'est une option intéressante. Chez Plon, hein, pareil, on retrouve les éditeurs, vous voyez, plus classiques là, qui font des livres en fait contemporains, généralement Plon, Seuil, Robert Laffont, tout ça, ce sont des éditions en fait qui publient de la littérature contemporaine, hein, qui ne sont pas spécellement connotées classiques comme le sont Gallimard, Hachette et Flammarion. C'est pas des éditeurs scolaires entre guillemets, mais ils font des choses. Et vous voyez, Point par exemple, qui est une collection de Plon. Bien, Point en fait est très réputé pour certaines éditions, on ne sait pas pourquoi, comme ça, entre autres en fait d'ouvrages comme ça du 16e siècle en fait, hein, 16e, 15e, et typiquement vous voyez deux grands classiques de la littérature comment, de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, Don Quichotte de Cervantes et Gargantua Pantagruel de Rabelais, hein, voilà, parce que j'ai les deux volumes de Don Quichotte, là j'en ai pris qu'un, et j'ai tous les volumes donc, de Rabelais, Gargantua, Pantagruel, etc. Et voilà. Et donc ces éditions-là sont très réputées. Moi, quand j'ai fait mes études de lettres, on m'a dit, vous prenez les éditions Point. J'étais surpris, je me dis, bah tiens, ils ne demandent pas Folio Classique, ils ne demandent pas Livre de Poche pour une fois, ils ne demandent pas Garnier Flammarion, ils nous demandent Point. Pourquoi? Bah en fait, ça s'applique plutôt bien parce qu'il faut dire aussi, bon, elles sont jolies, elles sont pas mal, franchement, c'est assez élégant. C'est couverture couleur crème comme ça, avec des illustrations. Franchement, c'est joli. C'est très souple au niveau du papier, c'est très confortable, l'écriture est très agréable. C'est en bilingue pour Rabelais, donc on a le texte en ancien français, moyen français à côté et le texte français moderne de l'autre. Cervantes, bon, c'est pas bilingue, hein, y a pas l'espagnol à côté, mais voilà. Et vraiment, les éditions sont assez confortables et agréables, et elles sont très réputées sur le plan critique, vraiment. C'est celles qui sont recommandées au niveau des traductions et tout ça. Donc voilà, vous voyez, c'est pour vous dire encore une fois, hein, c'est un exemple typique de comment tout ça c'est du cas par cas. Parce qu'on se dit, oh, bah, je veux lire Don Quichotte, je veux lire Rabelais, bon, bah, je vais me prendre un folio classique, bon, bah, je vais me prendre un livre de poche, puis de toute façon, c'est ça que folio. Non, non, il faut jamais hésiter à regarder un petit peu ce qui se fait à côté, parce qu'on peut peut-être avoir un coup de cœur sur. Une couverture, sur un papier, sur une typographie, une police d'écriture, sur un dossier critique, sur, voilà, sur une traduction aussi, hein, vous regardez un peu comment c'est traduit, même si vous ne connaissez pas le texte, enfin la langue d'origine, vous pouvez voir un peu comment c'est écrit, etc. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Une autre édition assez réputée, c'est Payot. Alors ça c'est Seuil, hein, je crois que c'est l'édition Seuil, je ne suis pas sûr, en tout cas bon, Payot Rivage, en fait, qui eux se sont spécialisés en fait dans Freud. Vous avez une collection chez Payot de Freud qui est géniale. Alors, ils ont un peu démantelé l'œuvre, c'est un peu le reprocher. C'est-à-dire que des textes en fait, qui étaient réunis dans un seul gros volume de l'œuvre de Freud, comme les essais de métapsychologie, tout d'un coup se retrouvent complètement démantelés en plusieurs petits ouvrages. Hein. Il n'y a pas de petit profit, ça fait une œuvre que vous auriez pu acheter d'un seul coup pour 12 euros. Vous auriez acheté 4-5 volumes à 6 euros. Voilà, il y a un petit peu de l'arnaque dans l'air peut-être, mais il y a un côté du coup intéressant, parce que du coup, vous pouvez vraiment choisir le point qui vous intéresse précisément. Et surtout, elles ont de la gueule. Hein. Avant, elles étaient un peu plus moches que ça. Moi, on m'avait fait acheter ces éditions-là en philosophie au lycée. Et à l'époque, elles n'avaient pas autant de gueule. Et maintenant, j'aime bien le côté, c'est assez harmonieux. Elles ont toutes le même aspect avec le portrait de Freud, toujours le même. Elles sont très confortables à lire. C'est écrit gros à l'intérieur. J'aime bien la taille des pages. Moi, franchement, Freud, je pourrais lire dans d'autres éditions. Et un peu moins cher, en plus, plus intéressante économiquement. Mais je prends dans cette édition-là parce que pour moi, c'est la collection officielle Freud. Payot, pour moi, c'est Freud. Voilà, vous lire du Freud, vous prenez Payot. Il y a des introductions faites par des psychologues. Et le texte est super agréable à lire. On a presque pas l'impression de on sent pas l'épaisseur du livre en fait. Je sais pas pourquoi. Ils ont fait un format. J'ai rarement senti ça pour un livre en fait. On sent pas qu'on est en train de lire un livre en quelque sorte épais. Parce que parfois Freud, alors c'est pas le plus bavard. Hein, c'est assez bref Freud généralement, mais je trouve que ça passe tout seul. Je sais pas. Il y a la mise en page, la taille de l'écriture fait que c'est très confortable. Donc ça j'adore. Encore une fois, c'est du cas par cas. Il faut pas être sectaire. Il faut voir selon son humeur, son envie, la qualité de l'une ou de l'autre, etc. Il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas se figer, ni dans la VO, ni dans la VF, ni dans aucun autre comme ça débat. Et donc, ce n'est pas team livre de poche, team folio classique. Vous passeriez à côté de choses, ce serait trop dommage.
Il faut vraiment faire du cas par cas. Donc, vous avez peut-être une tendance générale. Moi, j'ai la mienne. Clairement, je suis plus livre de poche maintenant, avec une petite tendance au folio classique de temps en temps. Mais voilà, j'ai mes tendances, même selon les genres. J'ai une tendance OGF pour la philosophie. J'ai une tendance pour la littérature classique générale au livre de poche. Je sais que je vais aller voir Payot pour la psychanalyse. Je sais que j'aime bien du Librio pour du théâtre. Je trouve ça très confortable. La plupart du temps, il est vrai qu'un folio classique a une jolie couverture, a un papier agréable et plutôt de qualité, et a une typographie, une police d'écriture confortable à lire. Mais parfois, parfois, oui, ça arrive, eh bien non, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et parfois, en ouvrant le livre, on constate que c'est pas agréable à l'intérieur. Et heureusement qu'on a ouvert. Alors, c'est le cas chez Stendhal, par exemple. Moi, j'aime bien avoir Stendhal en folio classique. Mais regardez ce qui se passe. Folio classique Stendhal, a priori, c'est très joli comme ça. De l'amour, magnifique. Moi, un livre que j'adore, puisque j'ai racheté voilà, dans l'édition maintenant où il y a le titre en gras, en couleur, parce que j'avais l'ancienne qui était un peu moche et puis très abîmée. Et en fait, on constate à l'intérieur que malheureusement, bon, l'écriture est toute petite et pas très agréable. Et vous avez ben, l'édition. Garnier Flammarion, en plus édité par un grand spécialiste. Et là, en fait, bon, bah, bon, il y a les fameuses pages blanches, mais en fait, l'écriture est un peu plus épaisse, un peu plus agréable, et le dossier critique est béton. Voilà. Et en même temps aussi, dans cette édition-là, il n'y a pas les lettres de Stendhal à Mathilde, alors que là, ils ont mis les lettres à Mathilde. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. La vie d'Henri Brûlart, qui est une catastrophe en folio classique, parce que l'écriture est hideuse. Alors là, par contre, c'est vraiment une des pires que j'ai vues. Hein. Franchement, l'écriture de la vie de Henri Brûlart dans cette édition folio classique, je ne la comprends pas. Elle est vraiment hyper pénible à lire, c'est pas du tout engageant. Eh bien, on pourrait avoir intérêt là à préférer l'édition livre de poche de la vie de Henri Brûlart. Et là, tout d'un coup, l'écriture est agréable. Les caractères sont beaucoup plus espacés. Et on retrouve les mêmes illustrations, tout ça. Et en plus, un dossier critique béton. Voilà. Donc, tout ça, c'est une question de cas par cas. Il faut pas être sectaire. Il faut voir selon le genre qu'on veut lire. Il faut voir selon son humeur. Et il faut à chaque fois regarder les livres dans les librairies. Et donc, c'est pour ça que d'étranges créatures de mon espèce, vous les verrez dans les librairies en train de feuilleter comme ça, longuement, de sentir les livres, sentir le papier, comme ça, de scruter les détails. Même les libraires ne comprennent pas toujours ça. Moi, j'ai vu des libraires hein, se moquer de moi, malheureusement, rire sous cape. Je les voyais rire dans mon dos, se demander ce que je faisais, pas comprendre. Et c'était aberrant, puisque. Enfin, je veux dire, toute personne qui est habituée à lire, toute personne qui aime lire, qui fait attention à ça, qui est scrupuleuse, c'est comme écouter de la musique, quel matériel vous avez pour le son, etc. C'est finalement, c'est comme pour toute activité, quand on est un petit peu passionné ou puriste, eh bien oui, on va être attentif à la qualité de son, à la qualité des conditions dans lesquelles on le fait, et donc la lecture n'y échappe pas. Donc oui, on va sentir le papier, oui, on va le toucher pour voir un peu quelle sensation ça fait, oui, on va comparer les polices d'écriture pour voir si c'est confortable, et ça, il n'y a que matériellement en magasin qu'on peut le faire. On est obligé de comparer matériellement. Donc là, vous êtes en magasin, vous avez un rayon Stendhal, et vous avez comme ça, voilà, ces volumes-là. Eh bien, évidemment, vous n'allez pas vous dire, ah bah oui, moi, de toute façon, moi, je suis team folio classique, hop, je le prends, je regarde pas. Non, mais justement, vous avez de l'amour en deux éditions. Eh bien, vous regardez. Alors, de l'amour, voyons ce qu'a fait Folio. D'accord. Ah, l'écriture, elle est comme ça. D'accord. Ça sent comment? Ah, ça sent bon. Hein. Franchement, c'est bien. Par contre, l'écriture n'est pas agréable. Hein. Ah, le dossier. Ah, ils ont mis les lettres. Ah ouais. Par contre, le dossier, c'est pas. Alors, voyons, de l'amour, là, les derniers. Ah, ces pages blanches, elles sont chiantes. Hein. C'est trop blanc. Ah, par contre, franchement, c'est bien espacé. C'est assez confortable au niveau de l'écriture. Puis le dossier il est incroyable. Waouh! Bon, là vous allez vous retrouver face à des dilemmes parce qu'à la fin vous allez avoir envie d'acheter les trois livres en trois exemplaires, chacun pour ses qualités et ça peut revenir cher pour un même livre. Donc là, bon, ça devient les dilemmes cornéliens, j'en ai lu plusieurs comme ça. Parfois c'est instinctif, vous dites, je sais pas pourquoi je la sens bien celle-là. Ok, ça passe, mais je sais pas, je me sens bien avec ce livre-là. Et le bien-être, c'est comme les chaussures en livre, c'est le plus important. Ok, on est content de pouvoir frimer parce qu'on aime bien cette paire-là, elle est très belle, mais on va pas la mettre parce que finalement on n'est pas à l'aise avec. On n'est pas à l'aise donc. On n'aura jamais envie de les mettre. On a envie de frimer pendant 1 heure avec, puis on a envie de les enlever et de remettre ses chaussons. Et là, c'est pareil. La lecture, on va passer trop de temps avec un livre. Un livre, ça peut être entre 6 heures et une trentaine d'heures de lecture pour les trucs les plus dingues. Et donc, on ne peut pas, du coup, se coltiner une édition qui, à chaque fois qu'on la verra, nous fera limite genre, oh, j'ai la flemme. Oh, non, vous avez besoin de vous sentir bien, vous dire, vous êtes content de toucher ce livre-là, vous aimez bien la couverture. Même la couverture, ça peut paraître superficiel, mais si le livre ne vous revient pas, vous n'allez même pas avoir envie de l'ouvrir et tout. Donc, c'est plein de choses en fait c'est du confort la lecture. Vous allez passer trop d'heures à lire et donc on a besoin de confort pour lire. Parce que déjà le texte peut parfois exiger un peu un effort et du coup il ne faut pas avoir à le mettre ailleurs l'effort. Voilà. Donc moi je dis privilégiez le confort et ça peut être votre confort intellectuel si vous avez besoin
d'un bon dossier critique qui vous aide dans votre lecture, vous aimez bien avoir des informations, vous êtes très curieux, ça peut être un confort matériel, vous aimez bien un papier qui sent bon, un papier agréable, etc., et un papier souple, ça peut être plein de choses, mais privilégiez le confort, votre bien-être, cas par cas. Vous allez dans les rayons, vous voyez un petit peu ce qui se fait, vous comparez, vous prenez votre temps, puis ça fait partie du plaisir de la librairie, c'est un peu comme pour d'autres passions, d'autres domaines, pour la cuisine, etc. Et bien en librairie, un des plaisirs justement d'être sur place, d'être dans la boutique, c'est que vous avez tous ces livres autour de vous et que vous avez le temps, c'est votre moment à vous, vous êtes dans le rayon. Et vous avez là différents exemplaires d'un même livre. Et vous pouvez prendre le temps de le toucher, de regarder un peu comment c'est fait, de regarder à l'intérieur, de comparer les traductions s'il y en a, de comparer les notes et tout. Ça fait partie de la démarche. C'est une démarche d'acheter un livre, ça fait partie de cette espèce de saveur. C'est une bonne partie du plaisir, franchement, hein. Vraiment, vous allez en librairie, vous avez le plaisir de dire, ah, il y a un livre que je veux, je vais repartir avec, ça fait plaisir. Mais vous avez cette démarche de l'achat. Qui est vraiment un plaisir d'être dans cette librairie, de sentir l'odeur du papier dans la librairie, d'être là au contact des livres, de voir plusieurs éditions, d'avoir ce choix vaste, vous voyez tous les ouvrages, c'est génial, vous voyez toutes les éditions dans le même ouvrage, et d'être là comme ça, vous pouvez prendre le temps de lire un petit peu, de comparer, de toucher, de vous familiariser, hein. Ce n'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, Monsieur Potter, c'est la baguette qui choisit son sorcier, et bien voilà, bah, c'est le livre qui choisit son lecteur, hein, et non pas le lecteur qui choisit son livre, il y a peut-être un petit peu de ça. Donc fiez-vous à votre instinct, à votre feeling, à votre confort avec un livre. Et tout se passera bien. En tout cas, j'espère que vous y voyez plus clair dans ce qui se fait, dans les types d'éditions, et de comment tout ce marché se partage, se divise. En espérant, voilà, vous avoir donc éclairé, aidé, et que ça vous a intéressé. Sur ce, du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite bonne lecture, du coup. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien sûr, sous la vidéo, à venir en rediscuter dans un live ultérieur, bien entendu. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur dans vos lectures. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut la Pifiou!